et astuces motorola moto g23 fonctionnalités cachées et spéciales bonjour mes chers amis comment allez vous j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans les meilleures conditions aujourd'hui voici une vidéo importante avec vous qui contient des trucs et astuces pour le téléphone motorola moto g23 fonctionnalités cachées et spéciales j'espère que vous l'aimerez mais avant de regarder abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse vous présenter tout ce qui est nouveau et maintenant suivons la vidéo Comment effectuer une réinitialisation matérielle dans Motorola Moto G23? Si vous souhaitez vous débarrasser de toutes les données indésirables telles que les applications, les médias et les fichiers système, suivez ces étapes maintenant. 1. Appuyez d'abord simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume pendant quelques secondes. 2. Relâchez tous les boutons dès que vous voyez le mode Fast Boot. 3. Utilisez le bouton Volume pour sélectionner Récupération et utilisez la touche Marche-Arrêt pour le confirmer. 4. Dès que le robot Android apparaît, appuyez mmh. simultanément sur les touches d'augmentation du volume et d'alimentation. 5. Utilisez à nouveau le bouton Volume pour sélectionner Wipe Data Factory Data Reset et le bouton Power pour le confirmer. 6. Sélectionnez maintenant la réinitialisation des données d'usine à l'aide du bouton de volume et appuyez sur la touche d'alimentation pour le confirmer. 7. Une fois la réinitialisation terminée, sélectionnez maintenant Redémarrer le système maintenant à l'aide des touches de volume et confirmez-le en appuyant sur le bouton d'alimentation. Comment effectuer une réinitialisation d'usine sur Motorola Moto G23 Suivez les étapes pour effectuer une réinitialisation d'usine sur Motorola Moto G23. 1. Appuyez sur l'icône Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et choisissez Système. 3. Sélectionnez Avancé, puis sélectionnez Option de réinitialisation. 4. Appuyez sur le bouton effacer toutes les données. Comment ajouter une empreinte digitale sur Motorola Moto G23 Si vous souhaitez configurer la protection des empreintes digitales sur Motorola Moto G23, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et choisissez Sécurité. 3. Appuyez maintenant sur l'empreinte digitale. 4. Choisissez maintenant une méthode d'écran de verrouillage alternative comme Pattern, Pin ou Password. 6. Si la méthode motif est sélectionnée comme écran de verrouillage alternatif, dessinez le motif, appuyez sur Continuer, redessinez le motif et appuyez sur Confirmer. 7. Maintenant, gardez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale et enregistrez-vous pour la méthode de reconnaissance d'empreinte digitale. 8. Appuyez sur le bouton Terminer lorsque vous avez terminé. Comment AJ auteur un mot de passe d'écran de verrouillage dans Motorola Moto G23 Si vous souhaitez ajouter un mot de passe d'écran de verrouillage sur votre Motorola Moto G23, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Sécurité. 3. Appuyez maintenant sur le type de verrouillage de l'écran. 4. Sélectionnez n'importe quelle méthode de verrouillage d'écran selon vos besoins. 5. Choisissez maintenant une méthode de verrouillage d'écran alternative comme Pattern, Pin ou Password. 6. Si la méthode motif est sélectionnée comme écran de verrouillage, dessinez le motif, appuyez sur Continuer. Redessinez le motif et appuyez sur Confirmer. 7. Enfin, appuyez sur le bouton Terminer. Comment bloquer n'importe quel numéro de téléphone sur Motorola Moto G23 Si vous souhaitez bloquer ou mettre sur liste noire un numéro de téléphone sur Motorola Moto G23, suivez ces étapes. 1. Ouvrez l'application numéroteur téléphonique. 2. Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran. 3. Appuyez sur Paramètres pour l'ouvrir. 4. Appuyez maintenant sur Bloquer les numéros pour le déverrouiller. 5. Appuyez sur Ajouter un numéro de téléphone et entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer. 6. Maintenant, appuyez sur le symbole plus. Hourra, vous avez réussi à bloquer le numéro. Comment changer la langue dans Motorola Moto G23 Si vous souhaitez changer votre langue actuelle sur votre Motorola Moto G23, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez Système et choisissez Langue et saisie. 3. Appuyez maintenant sur Langue. 4. Cliquez sur Ajouter une langue et mmh. sélectionnez la langue que vous préférez. 5. Si vous souhaitez la définir comme langue par défaut, appuyez simplement sur son icône et faites-la glisser vers le haut de la liste. Comment activer ou activer le mode sombre dans Motorola Moto G23 Suivez les étapes pour activer ou désactiver le mode sombre sur votre smartphone Motorola Moto G23. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez Afficher, puis choisissez Avancer. 3. Appuyez sur le commutateur Mode sombre pour l'activer. 4. Cliquez sur Compris. 5. Bravo. Le mode sombre est maintenant activé. Comment trouver l'adresse IP du téléphone sur Motorola Moto G23 Pour trouver l'adresse IP sur votre Motorola Moto G23, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez à propos de l'appareil. 3. Sélectionnez Statut pour trouver l'adresse IP. Comment trouver le numéro de téléphone e IMEI dans Motorola Moto G23 Pour trouver le numéro e IMEI sur votre Motorola Moto G23, Suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez à propos de l'appareil. 3. Sélectionnez le cas pour trouver les détails IMEI. Comment activer ou activer le mode Ne pas déranger sur Motorola Moto G23. Suivez la méthode la plus simple pour activer Ne pas déranger sur Motorola Moto G23. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez le son et appuyez dessus. 3. Appuyez sur l'onglet Ne pas déranger 4. Appuyez sur Activer maintenant pour l'activer. Comment récupérer des contacts ou des données supprimées dans Motorola Moto G23 Si vous avez supprimé un numéro par erreur et que vous souhaitez le récupérer, vous pouvez utiliser un outil très puissant appelé ISEMO Bizave. Cet outil vous aide à récupérer d'autres fichiers tels que des films, des photos, des MP3 et des SMS. Vous pouvez également utiliser cet outil pour sauvegarder vos données sur votre ordinateur. Que faire si vous avez oublié votre code PIN Motorola Moto G23 Si vous avez oublié le code PIN, veuillez ne pas saisir le code PIN plus de deux fois car cela entraînerait le blocage de votre Motorola Moto G23 par la carte SIM. Vous devez contacter votre fournisseur de service et demander un code PUC pour déverrouiller le Motorola Moto G23. Que faire si vous avez oublié le mot de passe de sécurité du Motorola Moto G23 si vous avez oublié le mot de passe de sécurité de votre smartphone Motorola Moto G23 vous pouvez toujours tenter un hard reset mais en faisant cela vous perdrez toutes les données de votre appareil comment rendre mon Motorola Moto G23 plus rapide il existe plusieurs façons de rendre votre Motorola Moto G23 rapide 1 effectuez un nettoyage inutile des applications Supprimez toutes les applications téléchargées ou les données que vous n'utilisez plus. 2. Supprimez les applications préinstallées. Ces applications préinstallées occupent un espace indésirable, ce qui peut ralentir votre téléphone. 3. Essayez de transférer tous vos fichiers multimédia du stockage interne vers une carte mémoire externe. 4. Gardez votre téléphone mobile à jour. La version mise à jour du logiciel s'accompagne toujours d'amélioration des performances et supprime la plupart des bugs qui ralentissent votre smartphone. 5. Essayez de redémarrer votre smartphone une fois par jour. 6. Si votre téléphone est toujours lent ou très lent, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation d'usine. Comment mettre à jour le Motorola Moto G23 Pour mettre à jour votre Motorola Moto G23 avec la dernière mise à jour logicielle, procédez comme suit. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Mise à jour du logiciel. 3. Téléchargez maintenant la dernière mise à jour logiciel en cliquant sur le bouton Télécharger maintenant. 4. Cliquez maintenant sur Mettre à jour maintenant pour mettre à jour l'appareil avec la dernière version. 5. Le téléphone va redémarrer. Veuillez ne pas l'éteindre pendant la mise à jour. Pendant la mise à jour. Assurez-vous que votre smartphone doit être chargé à au moins 70%. Que faire si le Motorola Moto G23 ne s'allume pas Si votre Motorola Moto G23 ne s'allume pas, vous pouvez essayer certaines de ces étapes. 1. Connectez d'abord votre Motorola Moto G23 au chargeur et au secteur pour exclure tout problème de manque de batterie. 2. Si le téléphone est allumé, c'est super. Sinon, vous pouvez maintenant essayer de vous reposer sur votre smartphone. 3. Si votre Motorola Moto G23 ne réagit pas à une réinitialisation d'usine, il s'agit probablement d'un problème de batterie, d'une carte mère défectueuse ou d'un problème d'écran. 4. Jusqu'à présent, il n'y a plus d'options, vous devez vous rendre au centre de service. Que faire si le Moto Motorola Moto G23 est tombé dans l'eau Comment le sauver des dégâts des eaux Découvrez les trucs et astuces du Motorola Moto G23 pour protéger votre smartphone des dégâts des eaux. 1. Si votre Motorola Moto G23 est tombé dans l'eau et s'est éteint, n'essayez pas de l'allumer immédiatement pour vérifier s'il fonctionne ou non car cela pourrait provoquer un court-circuit interne. 2. Veuillez ne pas essayer de recharger votre smartphone. 3. N'essayez pas d'appuyer sur tous les boutons pour voir s'il fonctionne. 4. Ne soufflez pas d'air dans les ports de charge ou audio. 5. Surtout, n'utilisez pas de sèche-cheveux ou de micro-ondes pour vous débarrasser de l'eau. 6. Si votre appareil est toujours allumé, assurez-vous qu'il est éteint. 7. Essuyez l'eau avec un chiffon. 8. Retirez la façade arrière, la carte SIM et la carte mémoire et séchez-les avec un chiffon. 9. Une fois que vous avez retiré la coque arrière, la carte SIM et la carte mémoire, essayez de les sécher avec un aspirateur au lieu d'un sèche-cheveux. Étant donné que le vide crée une aspiration inverse et empêchera l'eau de pénétrer ailleurs. 10. Une fois que vous êtes sûr d'avoir retiré l'eau, conservez le sac dans un sac de riz non cuit pendant au moins deux jours. Vous pouvez également utiliser des sachets de silice à la place du riz non cuit. 11. Sortez le téléphone portable après deux jours et vérifiez s'il reste de l'humidité, après vous être assuré que vous pouvez maintenant démarrer votre smartphone. Comment télécharger des vidéos YouTube sur Motorola Moto G23 Pour télécharger des vidéos YouTube sur Motorola Moto G23, vous devez télécharger une application tierce appelée TubeMath. A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, et j'espère que vous avez résolu les problèmes, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.